Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France et sur beyond.net/live/fr. Je suis Franck Payen, je vais être avec vous pendant une heure et demie et aujourd'hui je suis accompagné de Nicolas Kalkowski. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue à toi, bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube, bienvenue à tous ceux qui nous suivent du côté Beyond. J'ai vu que vous étiez hyper nombreux et ça fait très plaisir. Du côté YouTube, Faber Galec et Unique Marine qui nous disent bonjour et coucou, n'hésitez pas, je vous ai mis un lien juste au-dessus dans le chat pour participer à la conversation, parce que ça vous permettra d'échanger avec Franck, Clémentine, Thierry, Julien, Elena, Gérald, Niki, Delphine, Héloïse, Alison, Camille, Jamila, Niki, je t'avais déjà dit bonjour? Oui, bref. Au bout d'un moment, on fait le tour parce que les gens se disent bonjour, puis après ils échangent les uns avec les autres. La raison pour laquelle je vous envoie sur Beyond, c'est parce que d'abord, c'est une communauté fort sympathique. Quand vous cliquez sur la tête des gens dans le chat, vous pouvez voir leur profil sur Beyond. Et moi, c'est ce que je fais aussi régulièrement pour pouvoir découvrir des artistes insoupçonnés, tout simplement parce que c'est jamais facile de démarrer dans sa vie d'artiste et d'avoir une grosse communauté. Donc, why not? Parfois, on tombe sur d'excellentes surprises. Et on a plein de bons exemples de gens qui étaient avec nous dans le chat et qui sont passés derrière le petit écran. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, je vais en profiter pour ceux qui débarquent pour la première fois et qui connaissent pas le contenu de la chaîne YouTube et de Beyond. Vous pouvez nous retrouver tous les jours à 14h. Donc lundi, c'était au tour de Clémentine et Camille de nous faire un Draw This in Your Style, comme elles le font si bien et très régulièrement. Mardi, Pauline a reçu Julie, Adrien, Pianina, pardon, presque. Sur une session illustration. Tout à l'heure, à 16h, je serai avec Kyle Webster, on va parler pinceau, évidemment. Je pense qu'on sera entre Photoshop et Fresco, à voir, on verra au réveil des États-Unis. Demain, c'est Lula Nantaise, qui est la deuxième des 5 participants au projet Photoshop Discover. On avait reçu Louisa il y a 2 semaines, on enchaîne avec Lulu cette semaine. N'hésitez pas à voir, vous allez en prendre plein les yeux, encore, comme j'aime beaucoup. Et enfin, vendredi, 14h, Caractère Animator. Cette fois-ci, je vous ferai pas un gros tour de Caractère Animator, on va plutôt regarder comment on va composer et comment on va organiser par exemple un visage pour faire votre avatar en vidéo, pourquoi pas pour du live Twitch, pourquoi pas pour des vidéos de formation ou autre. Vous trouverez les usages, moi je vous montre comment on s'en sert. Tout ça pour revenir au sujet du jour et poser la grande question qui s'impose pour démarrer à Nicolas. Nicolas, en 2-3 mots et sans image, présente-toi. Alors, je suis Nicolas Galkowski, je suis illustrateur et designer graphique. La majorité de mon travail aujourd'hui, c'est quand même principalement l'illustration, on va dire 80%. Et c'est de ça dont j'avais parlé les 2 fois précédentes où je suis venu en live avec vous. Tout à fait. Mais ce coup-ci, on va parler design graphique. Je me demande d'ailleurs si ça vaudrait pas le coup que je mette tout de suite des images, parce que c'est parti, on est sur ton écran. Donc ça c'est ton portfolio sur Behance? Ouais, ça c'est mon Behance. Donc là-dessus, je communique quand même majoritairement, voire quasiment que sur l'illustration. Mm-hmm. Donc en fait, en illu, je développe vraiment 2 styles très différents. J'ai un style en aplat, avec des petites matières, ce genre de choses. Là, par exemple, c'était pour un livre de fables. Très chouette projet. Voilà, je vais assez rapidement. Ouais, c'est super joli, et avec toujours des gammes colorées restreintes, réduites. Ouais, exactement. Mmh. Ça fait partie des petites contraintes que j'aime me mettre pour chaque projet. Là, même principe pour les échos, par exemple. Mais c'est vrai que c'est un très bon exercice pour avoir des images assez fortes, assez marquantes. Et aussi une belle harmonie de couleurs, parce qu'en fait, on est assez limité. C'est vrai que ça marche plutôt bien. Voilà, j'ai ce style. Et puis, j'ai un style un peu plus à la ligne, dans un esprit un peu tatouage. Au départ, je l'avais développé quand j'avais commencé un petit peu à tatouer. Et puis, j'ai laissé un peu le tatouage de côté pour maintenant utiliser ce style sur des commandes d'illustration, pour des livres, des choses comme ça. Et alors, par exemple, le gif animé qui tourne, c'est tout ton Inktober. Exactement. Voilà. Et justement, on avait fait un petit live, c'était cette année.
sur Linktober. Je donnais des petits tips pour réussir à aller au bout de ce marathon qui peut être parfois un peu décourageant. Donc voilà, chaque jour une petite ilu. Moi, je m'étais mis, comme chaque année, où je l'ai fait, une petite contrainte de thématique. J'ai pas suivi la liste officielle. Et là, j'étais parti dans les années 70 en Californie. Donc voilà, je m'étais bien Tranquille. amusé à faire ma petite illustration par jour. Nice. Et alors du coup le Voilà. tu comme tu disais hein, tu fais là on va aujourd'hui on va parler graphisme et identité. Quand on Ouais. voit tes projets illustration, on sent que la partie graphique et identité, elle est là, elle est présente très très fortement, je pense. Ouais, je pense. Bah après, à ma sortie d'études, j'ai bossé 2 ans en tant que DA, donc je pense que Tes réflexes. j'ai attrapé des petits automatismes, ouais. Et puis tout ce qui est typo, choses comme ça, c'est des choses que j'apprécie aussi énormément. Donc si on peut tout combiner, c'est vrai que c'est assez chouette. Pourquoi se priver dans ce cas-là, vu que ça existe et qu'on peut le Exactement. faire? Non, mais c'est cool. Il y a Béa qui nous dit c'est super joli, j'aime bien. Elena qui nous dit ça va nous faire un beau programme. Elle adore la rétro vibe. Clémentine est très fan. Voilà. On est Eh ben merci, tout le monde est super. impatient, en tout cas. Et du coup, bah, aujourd'hui, on va parler identité dans un esprit un petit peu rétro-vibe, justement, vintage. Donc, je vais vous partager quelques petits projets pour commencer, si ça vous va. Hop, quelques projets d'identité que j'ai réalisés il y a plus ou moins longtemps. Ça, par exemple, c'était pour une entreprise qui restaure du mobilier ancien. Donc là, par exemple, le concept, c'était de partir avec l'idée du poinçon qu'on peut apposer comme signature sur des meubles ou sur du cuir, des choses comme ça. Et à partir de ça, et ben, construire en fait l'identité de ce faubourg d'Amboise. Donc voilà. C'est le question bêtement mise en Ouais, forme. dis-moi. La petite gravure, la pyrogravure du FDA là en Ouais. bas à droite, c'est de la vraie pyrogravure ou c'est du vrai Photoshop? Ah, c'est du vrai Photoshop, ça. Non, en fait, on n'a pas créé le poinçon finalement parce que c'était quand même assez cher. Donc peut-être que ça sera à l'avenir, mais bon, comme c'était un peu le concept qui a permis de créer l'identité, je me suis dit qu'une petite mise en situation, ça faisait pas Ça de mal. s'imposait, ouais. Non, il y a des moments où Ouais. il faut prendre le Ouais. temps un peu de faire les choses bien. C'est bien, Carrément. c'est pas mal pour vendre les projets ensuite. Donc ouais, là, ce qui était, par exemple, sur ce projet, ce qui était marrant, c'est que on avait une vibe un peu ancienne du coup, mais comme on faisait de la restauration, on devait rester moderne, donc ça, on va le retrouver plus au niveau des couleurs, tu vois, qui sont assez flashy. C'est toujours Carrément. des exercices Ouais. assez sympas à faire. Donc ensuite, une autre petite identité. Alors ça, c'est une identité que j'ai réalisée avec un brief du compte Insta Brief Club. Ah. Alors pour ceux qui connaissent pas, je vais vous montrer. Et pour ceux qui Hop, hop. connaissent pas, moi je vais vous copier-coller le lien parce qu'on est hyper Ouais. sympa. Il y a toujours plein de Et liens pendant les sessions. Alors Brief Club, vas-y. alors ceux qui ne connaissent pas Brief Club, en fait c'est un compte Insta qui toutes les semaines poste un brief fictif pour créer une identité. Donc en général on donne un nom et en fait la fonction de la structure pour laquelle on crée ce logo fictif. Et on a aussi la plupart du temps un support imposé, type, je sais pas, du papier de soie pour du packaging, des choses comme ça. Et en gros, on a une semaine pour réaliser l'identité. À l'issue de cette semaine, la personne qui gère le compte sélectionne ses 4 projets préférés, qui sont ensuite soumis au vote de la communauté. Et il y en a deux qui sont ensuite mis en avant, comme vous voyez ici, par exemple, sur le compte Insta. Et du coup, pour Donc le coup, c'est... c'est la gloire quand tu es mise en avant sur Brief Club. Il y a pas Bah, mal c'est la de gens gloire et qui puis c'est suivent. une... Ouais, tu vois là par exemple 44 000 abonnés. C'est vrai que c'est un bon petit coup de projecteur. Et puis, même sans être sélectionné, comme la communauté est assez grande, en fait, à chaque fois, il y a un hashtag dédié au projet de la semaine. Donc, en fait, les gens qui participent la plupart du temps vont aussi voir les autres projets des autres personnes et viennent commenter, liker éventuellement. Donc c'est Très vrai que cool. ça pour le coup c'est quelque chose de chouette alors qu'on soit étudiant et qu'on n'a pas encore un portfolio bien fourni, ça c'est un très bon moyen de l'étoffer. Ou si tout simplement on aime l'identité et qu'on a un peu de temps entre deux dossiers, bah, franchement c'est un super exercice.
Moi, ça m'arrive de temps en temps, je me prends une grosse demi-journée pour faire ça, et puis voilà, ça fait une petite bouffée d'air frais quand on est un peu sous l'eau. Ouais, parce que du coup, ça te fait un client qui est sans contrainte de production. Donc Ouais, en fait, on se... tu limites les retours, quoi. c'est ça, c'est ça. Alors, on fait vraiment ce qu'on aimerait qu'il sorte au final, et c'est vrai que c'est chouette. Donc, je vais revenir là-dessus. Hop. Donc, ça, par exemple, Toji, c'était un projet de Brief Club. C'était une marque japonaise de vêtements pour le froid. D'accord. Donc moi, par exemple, j'avais fait un petit jeu avec la température. Et tu vois, le haut de Toji. D'accord, Et puis ouais. là, tu vois, le support imposé, c'était un papier de soie d'emballage pour les packaging. Donc, je m'étais créé un petit pattern. C'est vrai que c'est toujours sympa. Voilà, autre petit projet, bah, par exemple, toujours Brief Club pour un shop de bagel, un resto de bagel. Donc là, je m'étais fait un peu plaisir sur le. J'avais fait un peu d'illu, tu vois, Le petit ce petit pattern d'illu pattern derrière. illustré. Et puis après, logo qu'on décline sous différentes Ah, parce que formes. du coup, le pattern, c'est que des illus. Ouais, C'est pas de la c'est que photo l'illu. retraitée en deux tons. Non, Ok, non, non, donc c'est que de l'illu. C'est vrai que de loin, de de loin, ça fait loin, illusion. on y croit, ouais. Bravo. Et puis, bah après, on va rentrer dans le vif du sujet, je pense. Vas-y, on te suit, on te suit. Alors, aujourd'hui, du coup, comme je le disais, on va parler identité vintage. Et pour le coup, je m'étais dit que ça pourrait être sympa de faire une identité pour un Adobe Grand Hôtel, à l'image Des Wes des Anderson. sublimes palaces d'antan très prestigieux. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. Et du coup, bah, je vous explique comment moi je fais pour créer une identité qui s'inscrit dans un courant graphique. Donc là, ça va être une période, on va dire, années 30 dans ces eaux-là. Donc, bah, comment on analyse les codes, comment on les comprend, puis comment on s'en sert ensuite pour créer l'identité et puis la décliner sur plein de supports. Nice. Donc la première étape en général quand je fais ce genre de choses, c'est que je vais un peu m'inspirer de ce qui se fait. Et pour ça, bah, Pinterest, c'est quand même un super outil, je trouve. Donc là, par exemple, je me suis créé un tableau d'identité vintage, que je peux partager si tu veux, Tout à Franck. fait, ouais. Je vais vous mettre le lien. Alors, au fur et à mesure, je vous mets les liens dans le chat des portfolios, des Behance, des Brief Club, etc. Et ce qu'il y a de cool derrière, c'est que ces liens-là, je vous remettrai au fur et à mesure le lien du Discord en français et je vous referai un petit récap. Comme ça, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez suivre la communauté. Il y a pas mal de questions-réponses. Il y aura le lien du Pinterest en question. Super. Donc là, tu vois, c'est des identités, pas que pour des hôtels, hein. J'ai cherché un petit peu large, mais c'est vrai qu'on déjà, ça permet de voir des tendances qui se dégagent un petit peu. C'est hyper riche, moi j'adore ces univers. Non, grave. Ouais, et puis il y a vraiment un gros enfin une variété de styles, c'est-à-dire qu'il y avait des il Ouais. y avait des limites qui étaient forcément des contraintes techniques Exactement. et du coup une liberté parce que tout était à faire, quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est super, hein, tous ces trucs-là. D'ailleurs, j'en ai capté un qui s'appelait déjà le Adobe quelque chose plus haut à gauche. C'est vrai? Ouais, plus haut, plus haut, plus haut. Voilà, stop. Le Ah oui, Adobe El Adobe Motel. Motel. Qui doit d'ailleurs être El Adobe Motel, parce que j'ai appris Ah, si, c'est de que. l'espagnol, Exactement. ouais. Bon, voilà, je vous laisserai parcourir tout ça si ça vous intéresse. Et du coup, l'étape suivante pour moi, c'est d'un peu faire une sélection de visuels pour essayer de voir les similarités, les choses qui en ressortent, en fait. Donc, en faisant une sélection de quelques visuels, on remarque déjà que la plupart du temps, il y a quand même un nombre de couleurs assez, voire très limité. Ça, c'est en partie lié aux contraintes aussi d'impression ou autres qu'on avait à l'époque. On remarque aussi que la plupart du temps, on a les visuels ou logos inscrits dans des formes. On va beaucoup retrouver ce genre de pastilles,
même des formes un peu plus complexes ou circulaires. On retrouve beaucoup le cercle aussi sur les identités anciennes. Donc Ouais, voilà. qui doit leur venir de l'idée du tampon, qui doit leur venir d'un. Probablement, ouais. Et c'est vrai que tu vois, là encore, on le retrouve toutes ces petites formes, alors plus ou moins complexes, hein, mais et du coup, ça va faire de la matière pour la création ensuite. Parce que si on tape complètement à côté, bah, même si on a des codes au niveau des typos, des traitements, des choses comme ça, qui vont peut-être coller, on risque d'être à côté de la plaque si on est trop éloigné de ce qui pouvait se faire. Tout à Il y a un fait. truc qui va peut-être faire un peu bizarre. Donc on a ça, donc c'est tout est inscrit dans des formes. Au niveau des typos, on voit qu'il y a des grandes tendances qui se dessinent. Des typos très géométriques avec quelques lettres un peu fantaisistes, tu vois, le E par exemple, là, qui est assez exagéré. Là, on l'a sur le Majestic par exemple. Où la lisibilité devient presque compliquée sur certaines lettres. Regarde. Et puis on a des typos un petit peu plus sages, on va dire. Moi, je pense que je vais partir plutôt sur quelque chose qui ressemble à ça aujourd'hui, pour notre Adobe Grand Hôtel. En tout cas, Hop! Louise nous dit que c'est un beau tableau Pinterest. Niki trouve que ce sont de belles recherches. Bon, c'est bien. Et puis ensuite, en y regardant un peu plus près, on voit aussi que ça, c'est lié aux techniques d'impression, que quand on a plusieurs couleurs, bah, il y a des petits accidents la plupart du temps qui se produisent. Tu vois, là, on a un décalage, par exemple. Là, il y a des superpositions qui sont peut-être pas forcément volontaires à la base, ou c'est un petit peu grossier par endroit. Là, pareil, on a un petit grain, ça s'est détérioré un petit peu autour. Et du coup, tout ça, c'est un peu des petits ingrédients qu'on va utiliser pour ensuite créer notre identité, pour que ça fasse vrai, en fait, tout simplement, qu'on s'éloigne du numérique Pour pour avoir un retrouver résultat qui pourrait être réaliste, en fait. qui pourrait être la liste. Ouais, de toute façon, parce qu'une partie de ces techniques, c'est les fameux, ce qu'on appelait les grossis maigris sur les encres. Et c'est des trucs d'ailleurs qui se gèrent dans InDesign. Quand vous en avez besoin, vous pouvez lui dire, bah tiens, j'aimerais bien que finalement le jaune il passe au-dessus de la couleur bleue sur un point, etc. Mais derrière, c'était toute une science en fait de mélanger deux encres plus ou moins transparentes pour faire, je pense au lion là à droite, Ouais, on le voit bien ici. voilà, une couleur qui va vraiment être en complément quoi. Nickel. Et puis, autre chose qu'on peut retrouver assez souvent, c'est que le logo est la plupart du temps décliné en plein de combinaisons différentes suivant les usages qu'on va en faire. Et ça, pour le coup, une fois qu'on a notre logo de base, c'est vraiment marrant à faire. Enfin, c'est vraiment un exercice qui est sympa, essayer de trouver plein de petites déclinaisons. C'est vrai que c'est assez chouette. Donc voilà, en gros, une fois que j'ai fait ce travail-là, je sais un petit peu mieux vers quoi je veux aller, pour que ça soit un peu crédible, en fait, mon identité. Hop. Et ben, on va pouvoir commencer, hein, du coup, Alors maintenant qu'on a écoute, vu tout ça. on te suit, Hop. on est parti. Alors, on va aller dans Illustrator. Donc moi, j'ai déjà fait une petite sélection de typos. Là, c'est une typo que j'avais achetée. Mais si vous avez l'abonnement et que vous ne voulez pas forcément acheter de typo, il y a un truc super qui s'appelle Adobe Font. Je vais faire du sondage. Qui ici utilise des Adobe Fonts? Est-ce que vous aviez déjà fait gaffe que vous aviez accès à plus de 2000 polices de caractères à disposition et dans plein de styles en plus? Moi, personnellement, je ne le savais pas avant la semaine dernière. Avant que tu m'en parles, Le bon élève, tu sais, il a fait ses devoirs, je lui ai montré je les pense. trucs et finalement, en fait, tu as trouvé des trucs plutôt cool en plus. Et bah, carrément. Donc, ce que toi, tu m'as montré, Franck, l'autre fois, c'est qu'il y a des packs de police. Donc, ça, c'est assez chouette. Si on n'est pas forcément très à l'aise avec la typo et les associations de typo, là, ça nous propose déjà pas mal de combinaisons dans des styles différents et qui, en fait, bah, fonctionnent plutôt bien. Hein.
Je vous laisserai aller voir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Et ce qui est pas mal, là, si on va dans toutes les polices, c'est qu'on a déjà dans les mots-clés des grands genres Ouais, qui se des genres, des dessinent. familles. Exactement. Et bah là, typiquement, Art déco pour notre projet, Ouais, c'est bah c'est parfait, nickel, quoi. ça correspond bien. Il n'y a pas à chercher trop loin. Et du coup, je suis allé voir, il y a pas mal de typos qui je pense, vont bien fonctionner, hein, pour ce projet. Si d'ailleurs certains veulent se faire plaisir et faire l'identité de l'Adobe Grand Hôtel, Tout à allez-y. fait. Alors, il y a Unique Marine qui nous dit: je connais Adobe Font depuis le live d'hier. Sinon, c'est un plébiscite sur Adobe Font. Hein. Delphine connaît, Héloïse aussi, Camille, pareil. Elena nous dit: les bibliothèques de police sont impressionnantes, c'est un coup à passer la journée dessus. Mais il faut passer la journée, il faut un jour passer la journée dessus à regarder toutes les fontes, toutes les déclinaisons, ou si vous êtes organisé, vous le faites par genre peut-être, par date, mais faites-le parce qu'il y a des trucs qui vont vous taper à l'œil, et puis en plus vous pouvez mettre des petits cœurs quand vous aimez bien une famille, et du coup y revenir plus Tu vois tard, et ici. ça c'est hyper pratique. On a même des fontes Ah, c'est chouette. françaises, Hein. il y a la Anisette de Typo Fonderie Ah oui, qui avait Anisette. été développée. Est-ce que c'était à l'époque des Césars? Je sais plus, je crois. C'est possible. Je sais pas. Est-ce que tu crois qu'il y a l'historique si je clique dessus? Un Oh, petit descriptif peut-être? c'est possible qu'ils aient raconté des trucs dans les à À propos. propos. Ouais, Ah, bon, j'ai ça s'est l'impression qu'on ne réduit. s'est pas étendu dessus. Mais ils ont fait plein de Et trucs. C'est bah. lui qui est à l'origine de la fonte du métro, par exemple. D'accord. Ah ouais, c'est top, hein. Tout à Donc fait. voilà, si vous avez un petit peu de temps, il y a de quoi Et pendant ce temps-là, Alex qui nous dit: j'utilise Creative Cloud pour gérer mes autres polices. Gérald qui lui demande: est-ce qu'on peut gérer les polices stockées sur PC avec la Creative Cloud? Alors c'est mieux, c'est même un peu plus fou que ça. C'est que vous pouvez rajouter, si vous avez les licences de vos polices, vous pouvez les rajouter dans votre Creative Cloud. Et du coup, quand vous êtes sur votre iPad ou votre smartphone, vous avez l'application Creative Cloud, il peut installer les polices pour vous. Donc je pense notamment aux gens qui ont une identité visuelle pour leur boîte, pour leur petite entreprise ou autre. C'est une bonne manière de faire ça. Et puis comme vous avez le reste avec Adobe Express ou autre, ça fait vraiment un complément, quoi. C'était l'idée du jour. Mais on va te laisser bosser. Ouais, ben on va retourner sous Illustrator. Hop. Donc voilà, moi j'ai déjà fait ma petite sélection de police. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va créer, on va dire, le logo dans la forme qui sera probablement la plus utilisée, une forme un peu basique, on va dire, et puis ensuite je m'amuserai à la décliner dans plein d'autres formes plus ou moins complexes. Alors, du coup, je vais partir de ça. J'ai découvert un truc l'autre jour. Quand on a des lettres alternatives, il suffit de sélectionner la lettre et puis on peut la changer facilement. Ouais, j'avais jamais Ouais. fait attention, alors je sais pas depuis quand c'est là, mais Ça probablement un petit moment. fait quelques versions, mais c'est arrivé quand ils ont commencé à retravailler les moteurs de texte qui font des trucs très rigolos, effectivement. Mais. Alors, du coup, moi je pars de ça. Toc. Je me la dupliquer. En général, je garde toujours une version de base avant de faire trop de modifs. Comme ça, si j'ai besoin de revenir en arrière, c'est possible. Tac. Bon, là, j'aligne tout sur mon plan de travail. Comme j'ai quelque chose qui va être relativement centré, c'est plus simple pour moi. Hop. Là, je vais faire une petite déformation. Parce que si je reviens Sur tes codes. à mon PDF sur les codes, on remarque qu'il y a dans les identités, il y a peu de choses qui sont vraiment en ligne en général. Il y a toujours des petites courbures, des choses comme ça, tu vois, ce genre de choses. Donc on va essayer de le retrouver dans l'identité aussi. Quand tu es sur un projet pro sur ça, est-ce que toi Ouais. aussi tu reviens beaucoup à ton Pinterest de départ, à ton mood board de départ? En fait, ça va surtout être au départ où je vais essayer d'analyser les codes. Après, quand j'aurai peut-être une première version, je vais y rejeter un petit coup d'œil.
pour m'assurer que je n'ai pas tapé à côté. Et puis en général, une fois que c'est sur les rails avec un premier élément d'identité fort, je vais pas forcément y retourner. Donc là, j'ai fait un petit arc inférieur, par exemple. Mais tu vois, elle est un peu écrasée, ma typo. Donc, je vais tricher, je vais la déformer très légèrement pour que notre haut là s'approche en proportion de celui-ci. Ouais, mais pas trop mal. Tu vois, si je compare, par exemple, juste avec une déformation d'arc, on a tout qui est un peu tassé. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus cohérent, je trouve. Ouais, carrément. Et alors ça, c'est un truc en plus, tu as la déformation d'arc que sur laquelle tu peux revenir si tu en as besoin. Ouais. Tu peux changer de déformation en cours et surtout tu peux lui demander éventuellement de repasser. Donc quand tu là c'est ça devient une enveloppe en réalité Ouais. cette déformation et tu peux compléter. Au besoin, ben on le voyait sur la lettre du début, la lettre de la fin, etc. Il y a des trucs à faire. Ok, donc là on a une bonne base, je trouve. Là, je vais créer un petit élément graphique. Vais vectoriser ça parce que c'est un peu chiant de voir le texte d'origine. Je vais essayer d'être bien parallèle à ce niveau. Est-ce que tu avais pris le temps d'ailleurs de te faire toi une directement un premier essai complet de ce que tu vois t'allais nous proposer aujourd'hui? Ouais, j'avais un peu préparé le terrain pour pas aller complètement dans l'inconnu. Et puis, comme le temps qui nous est alloué quand même. Assez court et je pense que ça va passer très vite. Je préférais savoir à peu près où j'allais. Tu vois, typiquement, le fait d'avoir centré déjà ça dans mon plan de travail, en fait, ça va m'aider à tout aligner là-dessus. Alors après, je pourrais le faire si je voulais tout aligner sur le add-up, par exemple. Je vais me remettre comme avant. Tac, là, je groupe. J'aurais pu sélectionner le add-up, recliquer dessus, et ensuite, centrer. Mais comme j'ai tout qui va être relativement centré sur ce logo, je vais pas m'embêter plus que ça. Alors là, je vois que c'est un petit peu court, je trouve. C'est un petit peu court, jeune homme. Je vous ferai pas toute la tirade, parce que je l'aurai pas en tête. Hop. Si encore une fois je reviens là-dessus, là typiquement ce genre de petits éléments graphiques, ça me plaît bien en habillage et puis ça marque aussi bien l'époque je trouve, donc je vais essayer d'en intégrer. Hein. Ce que je vais faire, je vais prendre ce cercle. Question de Béa, tablette ou souris?
Souris pour tout ce qui est logo sous Illustrator, comme ça j'ai travaillé à la souris. La tablette, je m'en sers plus pour l'illustration, pour le coup. Je m'y suis mis il n'y a pas très longtemps. Pendant très longtemps, j'ai été juste à la souris sur l'ILU. Mais ouais, même pour Et l'ILU, puis, t'étais à la souris. ouais, parce qu'en fait, je suis surtout sur un travail de sélection de zone dans mes ILU, donc en fait, ça s'y prêtait plutôt bien la souris. Et maintenant, maintenant, la tablette, ça me permet quand même d'avoir la pression du stylet pour avoir éventuellement des petits dégradés, des choses comme ça. Tiens, est-ce que tu sais, toi, quand tu sais clic sur un objet, pourquoi il t'a fait un encadré plus important tout à l'heure? Si tu recliques sur celui du milieu, par exemple. Sur celui-ci. Ouais. Alors attends, je vais Ah oui, tiens. dissocier. Alors, tu sais que t'as pas besoin de dissocier. Hein. Vas-y, fais un pomme Z, Ouais. double-clic dedans. Tu te mets en isolation, t'as pas besoin de dissocier et t'as Ah accès à tous tes éléments. oui. Ouais. Non, Et quand mais ils je sont pense. tous sélectionnés, est-ce que tu sais pourquoi, ouais, pourquoi il t'a fait un sélectionné plus épais? Non. Vas-y, vas-y, double-clic, comme ça tu rentres dedans, attrape tout le monde. Ouais. Et là, reclique sur un objet. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu sais ce que c'est ça? Ça. Ah oui, c'est si on veut le prendre en repère, Exactement, pour ça par va être ton exemple un objet maître. alignement. C'est-à-dire que Ouais. si tu dois les aligner par rapport au haut, ce sera aligné. Alors celui-là, il est déjà le plus haut, mais si tu prenais genre Ouais. celui de droite, ce serait l'objet maître de ton. Si imaginons, j'ai complètement louché, hop, je centrais ça par rapport au cercle. C'est vrai que ça marche bien. J'ai découvert dans un live assez récemment cette petite astuce-là. Ouais, c'est vraiment des trucs que je trouve Mais c'est vrai que cool dans ça marche Illustrator. bien. Ouais. Pendant ce temps-là, sur le chat, Lucie nous dit, et on part quand en vacances au Adobe Hotel? Alexandre nous propose octobre pour Adobe Max. Et Clémentine nous dit, bonjour, j'ai une réservation pour la suite Adobe, la Lightroom, c'est ça. Hein. On est bientôt parti. Et pendant ce temps-là, Nicolas, imperturbable. Bravo. Hop. Hop. Ben là, par exemple, ça pourrait être une amorce, tu vois, pour le logo, qui pourrait fonctionner. Ça, je trouve encore un petit Un peu peu grand. grand. Ça me fait penser au projet des rennes qu'avait présenté Jean-Philippe Cabaroc, où c'était un projet sur les abeilles, justement. Oui. Du coup, on avait ces recherches-là, justement, tu sais, un petit peu à la Laïeul. Ouais. Petit monogramme. Ben justement, en parlant de monogramme, ça va être la prochaine étape. Alors là, j'ai une version à peu près correcte du logo. Ouais, ça sent encore un peu proche. Bon, je vais pas le peaufiner là parce que je pourrais y passer une demi-heure. Je vois très bien le problème que ça peut poser. Et du coup, maintenant que j'ai ça, je me dis, le monogramme, c'est un truc qui était énormément utilisé, à l'époque. Donc, on va essayer d'en créer un petit à partir de ça. Et pour ça, bah, en fait, je vais partir de ma petite typo. Là, je vais. Tac. Supprimer ça. Bon, du coup, je vais repartir de ça. J'ai bien fait de la garder. Hop. Vais tout mettre à la même taille. Et je vais garder les initiales en fait pour servir de base à mon monogramme. Donc AGH.
Voilà, je vais partir de ça. Et puis ensuite, je vais essayer de voir comment ça peut se goupiller tout ça. Donc là, tu vois, je me dis le H, il pourrait bien s'emboîter avec le G comme ça, là. Ça pourrait être pas mal. Bon, après, c'est presque du Lego, hein. Je vais venir enlever des parties, en rajouter d'autres. On va voir comment tu fais les creux, comment tu fais le lien entre deux pièces. Ouais. Et comment surtout tu t'assures, je pense, enfin, parce que ça va être ta recherche, que tout reste lisible Ouais. malgré. Et puis qu'on ait quand même un certain équilibre. Oh, punaise, on voit Hop. des acrobates du calembour ici. Oh. Bravo. L'Adobe Grand Hôtel, c'est une première. Ouh. Je sens que tout le monde est hyper motivé dans le chat. Mais vous bossez Ah, pendant c'est ce temps-là? cool. Vous êtes en train de dessiner avec nous? Vous êtes un... J'ai vu que Camille tout à l'heure avait dit, ah oui, je vais faire l'identité, tout ça. Est-ce que vous y êtes Ah, c'est tous mis? cool. Ouais, parce qu'on a envie de voir. Bah, carrément. Ah oui, petit truc que j'ai pas précisé, mais moi je travaille toujours avec des couleurs globales sur mes projets. En fait, ça me permet, si en cours de route, j'ai envie de changer très rapidement la couleur. Ben voilà, en fait, ça prend 2 secondes, quoi. Ouais. Hop. Je vais me créer des petits repères. Ça, j'aimerais bien prolonger cette partie. C'est sans doute pas très académique ce que je suis en train de faire, mais... Je pense que le designer de la fonte doit être Ouais, enterré depuis longtemps, donc tout va bien, t'as encore tes chances. pour le coup, ça fonctionne à peu près, je trouve. Elena, pendant ce temps-là, est en train de se perdre sur Adobe Fonts. Bah oui, c'était le but. L'après-midi, ouais, elle en a pour l'après-midi, elle le sent, c'est optimiste. Hein. Je pense qu'il y en a pour un petit moment là. Alors j'ai une question du côté du coup Marc Zoom Zoom qui est du côté YouTube. Comment est-ce qu'il sélectionne ou découpe des parties de typo? Est-ce que c'est automatique? Je crois qu'on n'a pas vu ton fonctionnement au Ah, et ben en ciseau. fait, je prends la flèche blanche. Ouais. Tac, admettons, j'ai envie d'avoir cette partie-là. Ok. Et ben, tout simplement, je fais copier, coller, toc. Et puis, du coup, ça m'a permis de récupérer la partie. Alors, après, j'aurais pu faire autrement, hein. J'aurais pu faire une zone tout autour. Tac, et puis avec le concepteur de forme. Ouais, comme ça tu isoles cette partie-là et tu complètes, quoi. Ouais, voilà. Nickel. Donc les deux fonctionnent. C'est vrai que le concepteur de forme, ça fait pas très très longtemps que j'utilise et vraiment ça fait gagner un temps fou. Ouais, le seul truc à voir avec le concepteur de forme, c'est la problématique des tracés qui sont très proches, sur lequel il peut te mettre plein de points. Mais sinon, Ouais. pour la plupart du temps, c'est pas gênant du tout. Nickel. Lucie nous dit, est-ce que Nicolas va rajouter un élément en bas à gauche des trois lettres? Bah, Eh du bien coup, est-ce que oui. le... Ouais, y a moyen. Ouais. Pour équilibrer, en fait, je vais me servir Ah, de ta petite de mon pastille. point là. Ouais, juste le point. C'est vrai que le point, on le retrouvait assez souvent, même en séparateur entre des mots. Ouais, on a pas mal utilisé ça aussi, ne serait-ce que pour les numéros de téléphone, par exemple. Ouais, exactement.
fait, l'idée, c'est de pouvoir donner un rythme de lecture pour les pour l'utilisateur. Ouais, exactement. Donc Lucine bosse pas assez sa pause. Alexandre fait des rendus 3D et réalité augmentée. Gérald est en mode studio devant le live. Vous avez tous des activités diverses et variées, c'est bien. Et Christian nous dit, sinon il y a aussi le cutter. Ouais, tout à fait. Un outil sous-coté, je pense, dans Ouais, dans la moi panoplie des illustrateurs. j'utilise pas du tout. Ouais, moi c'est super rare aussi en fait. Le tracé du cutter est trop aléatoire à mon goût. Mais je pense qu'il y a des gens qui doivent pouvoir y trouver leur bonheur. Et puis bon, là, en quelques minutes, je vais arriver à quelque chose de. Alors après, il faut l'équilibrer, mais assez rapidement, on peut avoir un résultat là, qui ressemble à quelque chose quand même. Ouais, carrément. C'est pas mal du tout ça. C'est là où je fais la promo de l'outil courbure, plume de courbure. Je sais pas si tu l'utilises toi. Non, je l'utilise pas. C'est C'est celui-là. l'outil de Ouais, en courbure. fait, tu vas placer les. Juste, toi, tu vas pas t'embêter, tu vas juste placer les points. Ah, il Tu vas génère une lui courbure dire en harmonieuse. double-clic qu'un point devient un angle. Et du coup, tu gagnes vachement de temps parce que ça te permet d'ajuster le truc. Et c'est assez magique. Et si tu. Alors, vas-y, t'étais bien parti. Et ta Ouais. pointe, tu double-cliques sur le point du bas, là, le point qui doit servir À de. celui-ci. Ouais. Ah Ah, oui, t'as j'ai deux dû. points côte à côte. Ouais. Non, attends. Je vais me le refaire là, on y verra plus clair. Voilà. Donc, tu prends Tac, là, donc tu là, double-cliques. je double-clique là. Ouais, tu peux le faire à tout moment d'ailleurs, si tu te rends compte que tu as besoin d'avoir une pointe. Du coup, donc là, il n'a pas dû être double-cliqué, vas-y, double-clique. Voilà. Et là, ça devient Attends. une pointe. Et en fait, le truc, c'est qu'il optimise complètement les courbes. Ah, ouais, c'est pas mal, hein. Donc moi, je m'en sers beaucoup, tu sais, quand il s'agit de retracer un logo, de retracer une illus, tu vas Ouais. avoir des courbes vraiment optimisées. Alors, attention, dès que tu repasses en flèche blanche normale, tu reviens sur Ouais. tes courbes habituelles. Mais c'est vrai que Ouais, ça te permet d'avoir des c'est vrai que trucs. c'est pas mal, hein. Parce qu'avec l'habitude, tu peux le faire à l'œil, mais c'est vrai que tu gagnes quand même du temps, hein. Parce que même là, en bougeant de point, Ouais, c'est pas il mal. essaye de te proposer en fait la courbe la Ouais. plus optimisée. Derrière, il y a évidemment des trucs sur lesquels, si t'es typographe, tu vas dire bah non, il faut absolument que mon point il Ouais, soit à bien sûr. l'extrémité, etc. Mais d'ailleurs, je sais plus s'ils ont fini par le rajouter sur la version bureau, mais sur la version mobile, donc la version iPad d'Illustrator, maintenant tu peux déplacer un point le long de la courbe. Ah oui. Ouais, Non mais t'inquiète, je regarde de mon côté, je te laisse bosser. Ouais, ça marche. Ouais, bah si je l'isole, là, c'est pas si mal, je trouve. Un petit peu ça. Ouais, ça devrait mieux marcher. Edwin nous dit qu'est-ce que c'est beau. Lucie trouve que c'est canon. Et Willy est en train de bosser sur Blender. Ah, pas mal, je m'y étais mis il y a quelques temps. Après, le souci avec tous ces logiciels de 3D, c'est que si on n'a pas les mains dedans assez régulièrement, je trouve qu'on oublie très très vite, surtout quand on débute. Carrément. Après, je pense que c'est comme tout. Quand tu sais que tu vas
devoir vivre avec ça, ça peut valoir le coup justement de prendre le temps de l'apprentissage. Je trouve qu'on est pas trop mal. Bon, alors ça serait perfectible, il faudrait y passer un petit peu plus de temps, mais Ouais, on a un truc qui est à peu près lisible. après le H, ça pourrait presque faire un N. Ah, ouais, mais ça, c'est Ouais. un risque Donc tu permanent. vois, typiquement, je pense que en supprimant la petite partie là. J'aime beaucoup tes méthodes. Et en faisant juste une petite symétrie, tu vois, je pense que déjà là c'est peut-être un peu plus lisible. Ça me plaît déjà mieux. Bon, ben voilà, on a un petit monogramme. Donc ensuite, j'avais pris un petit peu d'avance. On va faire une avance rapide là pour le coup. J'avais préparé des petites déclinaisons du logo. Typiquement, voilà, ce genre de choses. Ça s'approche un peu de ce qu'on avait dans un des exemples de ça là. C'est ce qui m'a servi d'inspi. Alors, ça pourrait être un tampon, par exemple. Voilà, on a l'intégration du monogramme et une petite variante de l'identité principale. Pareil, ce genre de choses, pareil, dans une forme, où là, c'est quelque chose qu'on pouvait retrouver beaucoup, les dates. Donc la création d'Adobe en 82. Bon, là, on est un peu en anachronisme pour le coup, mais c'est juste pour avoir un petit élément graphique, pour nourrir aussi le logo. Là, pareil, Adobe Grand Hôtel, partout à travers le monde. Voilà, je me suis amusé. Là, pareil, une version plus simple, presque poinçon, ou ça pourrait être une petite pince à gaufrage, ou ce genre de choses. Et puis, une fois que j'ai ça, en général, je m'amuse. Donc là, je suis parti sur une gamme limitée. Deux couleurs, plus un blanc qui n'est pas un blanc. Et puis, bah, je vois comment ça vit. Comment ça vit. Nice. Alors Puis, comme je te justement, disais. cette recherche des deux couleurs, tu l'as effectuée en amont, t'es parti par rapport à une de tes inspirations, t'as... Ben là, je me suis inspiré de celle-ci, par exemple, tu vois, tout à droite, là. Après, j'ai légèrement modifié le bleu pour qu'il soit un petit peu plus lumineux, mais globalement, c'était mon inspi. Alors après, tu as des combos de couleurs qui marchent très bien, typiquement les couleurs complémentaires ou des complémentaires avec une petite variante assez proche. Tu vois, là, typiquement, le doré. On n'est pas loin d'un orangé qui est la complémentaire du bleu. Hein. Tu vois, bah, là ça fonctionne. Après, on est sur quelque chose de flashy qui est peut-être un peu moins dans la veine ancienne, peut-être un peu plus moderne pour le coup. Après, faudrait voir avec l'ajout de matière, en détériorant le logo et tout, mais. Ouais, c'est ce que je voyais tout à l'heure dans le nuancier, donc tu double-cliques pour rentrer à l'intérieur de ta couleur globale. Ouais, et là, c'est à cocher une petite case quand on crée sa couleur. Tout Ce qui fait simplement. Et que puis. partout sur tout le document, en fait, cette couleur-là va Ben être ouais. appliquée. Et même dans les dégradés, c'est ça qui est pratique. Parce que ça peut être un peu galère à gérer les dégradés, je trouve. Parfois. Et en fait, là, une fois qu'on a nos couleurs, si on veut changer l'harmonie globale de l'image, bah c'est facile, quoi. Et par contre, là, ça reste de la couleur quadri. Ça veut dire que si jamais Oui. tu l'imprimes chez un imprimeur, lui, il va te sortir quatre couleurs là où tu n'en avais qu'une seule. Faut bien penser dans ce Ouais, ouais, ouais. panneau à lui dire, enfin, si jamais c'est spécifiquement pour faire de la sérigraphie, pour faire de la gravure du tampon, il faut Ouais, bien ouais. penser à anticiper ça. Oui, bah dans ces cas-là, je prends une couleur. Là, tu as une petite option en ton direct. Et puis, tu vas chercher dans les nombreuses bibliothèques le pantonnier, par exemple, qui te convient. Donc, oui, là, effectivement, on est sur de la quadrille, mais ça ne va pas être imprimé et c'est sur de la simulation, donc ça ne va pas être forcément gênant pour le coup.
Ouais, carrément, non. Après, c'était vraiment pour préciser, je sais pas s'il y a des Ouais. gens qui sont concernés par ce type de demande et sur lesquels vous étiez déjà posé la question ou pas encore. Ouais, En tout tu fais cas. bien de d'en parler. Mmh. Et alors, maintenant qu'on a ça, je pense qu'on peut se créer peut-être une petite boîte d'allumettes. C'est un peu le goodies que tu avais dans tous les hôtels à l'époque. Je me dis que créer ça dans un esprit ancien, en partant de l'identité qu'on vient de faire, ça peut être sympa. Donc là, je me suis créé un format. Hop, pour la boîte. Et puis, bah, il faudra y aller. Là, quelles infos je vais vouloir faire figurer? Je vais avoir bah, déjà le nom, ça c'est sûr. Et je pense que je vais partir sur deux couleurs aussi. Lucie nous dit la boîte d'allumettes et le savon, les classiques. Ouais, c'est clair. Hop. Alors là, comme tout à l'heure, je l'ai centré dans mon plan de travail. Ça va me permettre très rapidement d'avoir les choses bien alignées au centre. Ça va me faire gagner pas mal de temps. Yep. Alors, c'est parti. Ouais, et là tu trouves d'un coup d'un seul que c'est 4 mm, mais c'est parce que tu l'avais fait avant sur la forme extérieure. Bah là, je le fais à l'œil. Pour le coup, mais tac. Ça me fait presque penser au jeu de cartes à jouer. Ouais. Ça, je peux verrouiller, comme ça ne bougera pas. Si dans les gens qui nous suivent, vous êtes souvent confrontés à ce genre de contenu, de brief, et vous avez envie de gagner du temps sur Illustrator, il y a un outil dont je fais régulièrement la promotion qui s'appelle Astute Graphics, et c'est une boutique qui fait des plugins pour Illustrator qui sont juste merveilleux. Il y a des plugins sur la texture, il y a des plugins, par exemple, tout à l'heure tu étais sur la courbe du Ouais. A et du H, par exemple, des plugins pour pouvoir faire la continuité de ta courbe. C'est comme si tu utilisais des grands perroquets de dessin. Il y a tout un tas Ah ouais. de petits trucs comme ça qui sont vachement bien. Si vous êtes très très utilisateur d'Illustrator et que vous commencez à rentrer dans des grosses contraintes de production, jetez un œil sur ces Astute Graphics. C'est magique. Et Lucie veut faire un vrai jeu de poker qui correspond à la vibe de l'hôtel. Bah, c'est un plaisir. Donc là, ce que je fais dans un premier temps, je définis très grossièrement la structure et puis je m'occupe des infos que je vais voir figurer. Super.
te laisse bosser en silence. Profite. Ça pourrait ne pas durer. Je suis en train de penser à un petit truc en voyant les deux T de allumettes. Tout à l'heure, tu sais, tu mentionnais les variantes des open type. Quand tu as un seul T, tu peux lui. Donc, quand tu sélectionnes une lettre, Illustrator va te proposer des variantes sur cette lettre. Si jamais tu as besoin, tu as toujours dans le menu texte, tu as l'option. Pour les ligatures. Alors, tu as l'option pour les ligatures et pour les glyphes directement. Je sais plus où on affiche le panneau glyphe. Je crois que c'est dans le panneau texte. Si je Moi, dis dans j'ai le menu un... texte, pardon. Ouais, En t'as une bas. fenêtre glyphe, Donc quand tu as des ligatures qui sont déjà prêtes, ça peut être utile. Et ouais. alors le petit truc vraiment, enfin pas secret, mais qui est hyper pratique dans Illustrator, c'est quand tu vas vouloir bouger lettre à lettre dans ton contenu, Ouais. tu as un outil qui s'appelle l'outil de retouche de texte, qui est bien planqué, il a un nom pas forcément très adapté. Et si tu sélectionnes par exemple, ouais, retouche de. Voilà, outil retouche de texte. Tac. Donc il est Ah caché sous l'outil oui, texte. Et en donc il y a fait, le tu vas copier. pouvoir attraper une lettre à la fois, et genre le deuxième T, il est typiquement, plutôt le deuxième que le Ouais. premier, hop, et tu vas pouvoir la déplacer. Et tu vas pouvoir la mettre à l'échelle, la tourner, etc. Et en fait, ce qu'il fait, c'est tout simplement reprendre les informations que toi, tu aurais changées dans le panneau de caractère, Ah, sauf c'est pas que mal tu vas ça. les faire sur ton caractère en direct. Ok. Et c'est vachement, enfin moi je trouve ça vachement bien foutu Bah, c'est pas pour. mal parce que ça t'évite de vectoriser Exactement. le texte. Tu vectorises pas parce qu'en fait c'est vraiment tout ce Ouais. qu'il y a Ah dans ouais, ton panneau de tu. caractère, c'est des réglages, hein, mais Ça reste éditable du tu les coup. règles à la main, donc enfin tu les règles visuellement. Ah ouais, bah écoute, c'est bon à savoir. Je vais peut-être pas m'en servir là, mais c'est bon d'avoir ça en tête, ouais. Pense que je vais remettre les dates. Pour les fans d'illustration et d'identité visuelle, on a eu 3 jours identité visuelle il y a quelques temps avec Morin Armand du studio Zephyr, qui pareil, pour le coup Ouais. on était plutôt dans le bar de l'hôtel, vu qu'on était sur des alcools forts. Je l'avais vu, c'est vrai que c'était très chouette cette petite session. Là, le petit élément graphique, je me dis que ça peut être intéressant de le retrouver, peut-être en pattern ou autre, que ce soit pas juste anecdotique et décoratif. Lucie nous dit que c'était top comme session. Je confirme.
Du coup, le petit élément, ça va venir habiller. En fait, si on peut réutiliser des éléments d'identité pour créer d'autres choses, je trouve que c'est pas mal, ça apporte de la cohérence. Ceux qui s'étaient collés à l'identité, est-ce que vous avez avancé de votre côté? Camille, est-ce que t'as... Camille Coez nous avait dit tout à l'heure, ouais, je vais le faire, je vais le faire. Est-ce que t'as fait quelque chose déjà? Vieux professeur, tu sais, qui surveille un peu. Partout à travers le monde. Béa qui nous demande si on travaille le jour et la nuit. Oui, un peu. Ça dépend du fuseau horaire. C'est vrai. Petits éléments. Hop. Le fameux monde. Exactement. Du coup, t'as allongé, mais je pense qu'on a perdu la petite courbure qui allait bien là-dessus. Peut-être un peu. Il est devenu rigide alors que avec la pente du G, on était pas mal. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, ça. Si vous êtes sage, tout à l'heure, je vous emmène tous à la plage avec Kyle. Prendra Fresco tranquillement. Et on enchaînera sur une session illustration de plage.
Est-ce que tu utilises des symboles, toi, dans ton boulot ou pas forcément? Ça m'arrive vraiment très rarement. J'entends le pff. Non, mais franchement, ça m'arrive très très rarement. Ne serait-ce que pour le cas où tu dois virer une fleur. Oui, c'est vrai que j'aurais pu le faire. Nice. Lucie nous dit que le grand hôtel Adobe a forcément vue sur la plage. Ah, idéalement, c'est vrai que c'est sympa quand même. Du coup, Delphine regarde le live face à l'océan. j'avais préparé un petit élément. Ah oui, non mais voilà, mais t'as bien bossé déjà. Notre hôtel. Ben, ouais, je me suis dit que ça allait passer extrêmement vite et que j'aurais vraiment pas le temps de faire tout ça. Ça, Donc, pour avoir un du coup, c'est quoi? résultat. C'est tracé sur un croquis à toi? C'est un. Ouais, en fait, j'ai fait un petit croquis parce qu'à la base, je voulais me faire une petite affiche et j'ai fait une carte Oh. postale Ah ouais! dans un esprit Attends, mais un peu vieille, c'est plus vieille qu'une affiche. heure et demie qu'il va nous falloir. Qu'il nous aurait fallu, Ouais, tu je pense que j'aurais pas le temps de détailler l'île, on va se dis. concentrer sur vraiment l'identité, Ah, c'est super. mais ouais, j'ai commencé à faire ce genre de choses parce que j'ai pas mal de commandes pour des guides touristiques. Avec une DA justement dans un esprit, tu vois, affiches anciennes, rétro. Et du coup, j'ai commencé à développer un peu ça. C'est sympa à faire. L'illustration, la perspective du bâtiment, c'est quoi? C'est les grilles de perspective de fresco ou c'est Non, autre je suis parti d'une rêve photo. D'accord. Et ensuite, j'ai fait, tu vois, j'ai fait mon petit tracé comme ça. En synthétisant quand même pas mal de choses, je voulais pas que ce soit trop présent en détail. Et puis en fait, là, ensuite refaire une étape d'illus dessus, ça fait qu'on s'éloigne quand même beaucoup de la photo d'origine. Ouais, carrément. Clémentine qui nous dit le grand Adobe Hotel, Adobe fois Wes Anderson. Alors si vous aimez bien Wes Anderson, vous savez qu'il était présent sur une session Adobe Max l'année dernière. L'année dernière ou l'année d'avant. Et comme tu parlais des boîtes d'allumettes, il y avait aussi Annie Atkins qui était un designer de tous les props de plusieurs films d'Anderson. Alors, Adobe Max. Donc là, pour faire ça, un petit truc tout bête, avec l'outil rotation, donc R, ensuite Alt, on clique sur le point autour duquel on veut que notre élément tourne. On fait un clic, on choisit l'angle. Et puis ensuite, on copie. Et puis avec la répétition de transformation avec CTRL D, hop, on se retrouve en quelques secondes à avoir Nickel. un petit élément comme ça. Est-ce Vrai que que ça va très vite. je te donne la version, tu le referas 15 000 fois avec 15 000 versions différentes ou Si pas? Tu passes par ton panneau d'effet justement et tu prends juste ton trait. Enfin, tu refais un trait, hop. Tu vas dans le menu des styles graphiques, des aspects, pardon, Illustrator. Remarque, oui, tu dois pouvoir le trouver dans Aspect, FX. je l'ai de côté. Ouais. Et du coup, là, dans FX, Ah, dans les tu lui fixes. demandes une transformation et répétition de ça. Distance en transformation. Voilà, et transformation. Tac. Voilà. Et là, tu vas. Donc, la case aperçue est cochée. Et tu vas lui dire que tu veux 10 copies, par exemple. Hop. Et après, tu vas changer, par exemple, l'angle de rotation. Oui.
Ok, et si je... Ouais, ok, et Exactement. je peux le... Ouais. Et maintenant, non seulement tu peux faire ça, mais donc tu peux choisir exactement le bon angle, le nombre de copies, etc. C'est dynamique. Et si jamais tu te dis, tiens, je vais courber ma forme, tu peux aussi avoir des vagues, des... Il y a tellement de trucs rigolos à Ouais. faire. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas mal parce que ça reste éditable pour le coup. Ouais. Et tu peux tout à fait prendre cet élément-là, le fabriquer pour toi, le poser dans une bibliothèque, et après Ouais. juste récupérer donc l'objet Illustrator, et quand tu as besoin de changer la couleur, changer le nombre de répétitions et tout, tu as déjà cet objet-là déjà fabriqué. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça permet de gagner du temps. C'est une très bonne idée, une fois de plus. Ouais, puis je me dis que c'est des fonctions qui sont pas forcément connues de tout le monde, de partout, C'est donc... vrai. Gérald nous disait, mais avec répéter, c'est mieux. Eh oui. La saison des plages a commencé. Il y a beaucoup de dessinateurs sur la chaîne, ouais. Et, ah oui, Clémentine qui nous disait, Letterer and Gold, qui est venu et qui a bossé sur le dernier film de Wes Anderson. Tout à fait. C'est vrai qu'il y avait eu aussi cette session-là. On a beaucoup de sessions, j'ai du mal à me rappeler de toutes. Et en plus, je les ai pas toutes vues. Ouais, tout à fait, Gérald. Répéter radial dans les objets. Ça avance gentiment. Je vois que l'heure tourne aussi. T'inquiète, on arrivera au bout tranquillement. Ouais. Coup, ouais, je vous Encore remets le quelques lien minutes de là-dessus. Adobe Live du graphisme à l'enseigne avec Vincent Audouin de Letterer and Gold. Ça, si vous voulez. Tiens, c'est étonnant ça. J'ai copié-collé exactement la même longueur de texte qui était à 200 caractères et ça passe pas du côté Behance alors que c'est passé du côté YouTube. C'est pas grave. Problème réglé. Voilà, il nous reste un bon gros quart d'heure. Ouais, bah ce que je vais faire, je vais peut-être pas finaliser ça, Ça, je vais attendre mais que je... là. Ouais, bah là, il faut me passer encore un peu de temps pour ajouter du détail et tout, mais bon, ça avance. Tac. Ce que je vais vous montrer, peut-être, c'est comment, parce que là, on a rendu très lisse, bon, c'est l'illustrator, c'est comment le détériorer un peu et justement apporter cette touche un petit peu ancienne qu'on recherche. Suis sûr de ça, même si c'est pas parfait, mais ça fera l'affaire pour vous montrer des petites astuces. Donc là, je passe sous Photoshop. Je me suis créé un format 2000 pixels par 2000 pixels. Alors, 2 secondes. Hein? Ouais. Annule juste ça, CTRL Z. Refais ton commande V. Est-ce que tu as déjà vu que tu avais les calques maintenant en haut? Alors, tu peux le mettre en masque vectoriel, voir comment il va le vivre. Il y a certains éléments qui risquent d'être pixelisés, mais Okay. du coup, maintenant, tu as toute ta structure de calque sur ce document-là. Ah. Donc, si tu es du genre maniaque dans Illustrator et que tu as besoin de récupérer et de rééditer les éléments après dans Photoshop, alors tout ne sera pas vectorisé, tu as certains éléments pixels et tout, mais au besoin, voilà. Je pense que ça me servira ça. Alors, pas pour là, mais Oui, bien sûr.
Là, c'était vraiment l'idée de pouvoir le Et présenter. puis, et ça fait longtemps que c'est en Non, place? ça fait deux versions. Enfin, deux Ok. demi-versions. Mais c'est vrai que Ok. c'était un gros truc et moi, ça m'a Ah ouais. tellement changé la vie. Ah, c'est chouette. Alors. Donc là, je vais venir récupérer mes couleurs. Hop. Dans le Dans chat, le chat, vous aviez vous lu aviez ce vu ce truc? truc? Oups, petit double micro qui n'était pas volontaire. Donc, est-ce que dans le chat, ouais, vous aviez vu passer le copier-coller avec les calques? Là, du coup, j'ai récupéré mes deux couleurs. En fait, derrière la couleur un peu dorée là, je vais mettre une sorte de blanc de réserve, comme on pourrait faire en impression, pour que en fait cette encre se mélange pas au bleu. Donc, je vais récupérer ça. Hop. Évidemment, il faudrait que je cligne un peu tout ça. Je fais ça un peu grossièrement. Vivien nous dit le résultat en 1 heure de temps est juste ouf. Bon, après, j'avais un peu triché, hein. J'avais préparé des petits éléments. La deuxième fois est toujours plus rapide, mais n'empêche que c'est quand même vraiment classe de pouvoir comprendre les tenants, les aboutissants, les réflexions, tout ça. Et là, du coup, on va venir un petit peu détériorer tout ça, parce que là, c'est encore très propre. Donc, je me mets sur mon masque de fusion. Et là, je vais appliquer un petit filtre. J'en avais déjà parlé sur la session Inktober. C'est un petit effet pointillisme. Alors tu vois, là c'est très clean. Et là, on va venir un petit peu dégrader tout ça, tu vois. Alors faut que ça reste quand même léger, mais là le lissage ça permet de régler un peu l'intensité de cet effet. Donc pour avoir des résultats vraiment sympas. Donc là je vais quand même faire un lissage assez important. Hop, là ça me paraît pas mal. Je vais Et en faire le faisant pareil couleur par sur le couleur, du blanc. coup, ça te permet d'avoir des variantes. Ouais, ça apporte encore un petit peu plus de hasard. Donc là, je l'ai appliqué aussi sur mon blanc avec le CTRL ALT F pour refaire le dernier effet qu'on a fait. Et ensuite, c'est là que tout va se jouer et que ça va être assez chouette. Je vais venir là, je vais aller dans Sélection et masquer. Ça, c'est un truc que j'utilise tout le temps depuis que j'ai découvert, c'est assez magique. Il y a l'option d'arrondi ici, qui permet de venir un petit peu relisser les choses. Parce que là, l'effet est sympa, mais je trouve qu'il est... Enfin, on sent l'effet, quoi. Et en venant lisser un petit peu l'ensemble, du coup, ça fait une ligne un peu hasardeuse, alors qu'on aurait pu avoir en faisant Ouais, tout à c'est la un peu main et en comme y si tu passant avais une des heures, espèce mais... de vectorisation, peut-être. Exactement. Tu vois, là, on aura des petites zones de flou, donc pour ça, on a une option de contraste. Moi, en général, je blinde pour vraiment avoir juste du noir, juste du blanc, pas d'opacité. Et au besoin, on peut décaler le contour. Si jamais vous avez envie que ça Oui, bave, si ça c'est c'est un truc. trop.
Ben, je pense que moi, je vais le faire un tout petit peu sur le doré, justement. Ça englobe bien, comme si on avait épaissi très légèrement autour pour qu'on n'ait pas de blanc apparent, dessous. Hop. Tac, je vais refaire la même chose. Et là, pour l'instant, tes encres, enfin tes calques sont encore en mode normal. T'es pas Ouais, encore en. exactement. Je suis pas encore passé sur du produit là. Ça va être l'étape d'après. Toc. Alors là, on repère. Je vais pas perdre trop de lisibilité que sur les petites typos quand même. Donc ça va être un peu mon point de repère pour appliquer l'effet. Je veux qu'elle soit abîmée mais qu'elle reste quand même lisible. Bon, ça me paraît pas trop mal. Je pense que je vais dilater un tout petit peu le doré. Voilà. Donc voilà, là on a ça. Et puis l'idée, comme on a vu au départ, c'est qu'on va avoir des petites superpositions, comme ici, liées au décalage et aux superpositions des encres. Alors du coup, pour ça, bah, on va passer en produit, tout simplement. Et puis on va venir décaler un tout petit peu, et puis on voit juste en quelques secondes. Déjà, voilà, on a un effet qui est crédible, qui se rapproche d'une impression. Du coup, on partait de ça et on arrive à ça en quelques minutes. Ouais, c'est assez fou. Ouais, C'est fou d'avoir c'est. de pouvoir réaliser aussi rapidement un truc. Et je le dis en plus à chaque fois, c'est vraiment pendant des années, on s'est battu pour avoir les trucs les plus parfaits possibles. Et Exactement. maintenant, on a toutes les astuces pour pouvoir sortir ça. Alors Patrick nous dit, si on voulait faire cet effet sous Illustrator directement, il y aurait des solutions, Oh, je pense qu'il y a des solutions, hein. ouais, parce que mais par contre derrière toi, tu vas faire justement, t'as des effets de matière aussi un petit peu plus qui Ouais. est. Puis justement, là, je vais rajouter de la matière parce qu'on a bien cet effet d'impression d'encre, mais du coup, on n'est pas encore assez réaliste. On n'a pas encore le papier en fait. Ouais, voilà, exactement. C'est complètement ça. Donc, j'ai chopé. Enfin, ça, c'est une matière que je m'étais faite il y a quelques temps. Si vous voulez, pour les matières, il y a un super site qui s'appelle Texture Labs. Et là, vous avez des centaines, je pense, de matières en très bonne définition. Vous voyez, là, ça va jusqu'à du 7000, quasi 7500 par 5000 pixels. On peut faire pas mal de choses déjà avec tout ça. Donc, ceux qui ont terminé avec Adobe Font, s'ils ont du temps encore C'est devant ça. eux, ils peuvent parcourir cette bibliothèque-là. Il y a plein de trucs super. Donc, moi, je vais Mais récupérer ça. terminez d'abord votre tour sur Adobe Font et après vous revenez dans le deuxième. Chaque chose en son temps. Pas facile. Ouais, ça fait du boulot. Hein. Si vous suivez les lives correctement, il y a vraiment le truc. L'un après l'autre. Donc là, je l'ai appliqué. Bon, Bon, par défaut, c'est du blanc. Alex dans le chat qui nous dit, mais sinon, moi, j'ai une idée pour les matières. Je sais que Alex va dire substance. Ah bon? Étonnamment. Donc, ce que je fais en général, j'applique une matière qui correspond à peu près à celle du papier. Donc là, c'est mon blanc qui est pas un blanc. En fait, ça sera un peu l'usure de notre support à travers le temps. Tu vois, l'encre est un peu passée, il y a eu des frottements, des choses comme ça. Et puis, j'utilise une deuxième matière qui est la même que je prends, et puis je fais une petite symétrie 180 degrés. Et puis là, je viens appliquer celle d'une des encres, par exemple le doré, là. Le doré. Alors là, c'est un peu faible. Dans ces cas-là, ce que je fais, je duplique pour forcer un petit peu l'effet. Et si c'est trop présent, je sélectionne avec CTRL-clic, j'intervertis, j'efface. Du coup, on conserve quand même des zones bien bien marquées. Et là, je peux redupliquer.
Ce qui fait qu'en termes de densité, c'est un peu c'est Ouais, moindre, c'est mais plus les... léger, mais t'as ce Ouais, mélange un peu exactement. subtil. Hein. C'est ça. Hop. Tu t'es fait beaucoup de matière comme ça à utiliser à l'envi? Je m'en suis fait quelques-unes, après je dois en utiliser peut-être 3-4 différentes, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, de toute Mais façon, après, tant que ça se, je dirais que ça se voit pas, je t'en fous, quoi. C'est une matière Ouais, de c'est clair. papier. Après, ça peut être gênant quand tu fais, enfin gênant. Ça peut éventuellement ressortir quand tu fais des séries où les visuels sont côte à côte, Ouais, où les gens vont et bah comparer. typiquement, tu vois ce que j'avais fait pour le Inktober là. Alors c'était la même matière sur chaque truc, mais en fait je lui faisais une rotation à chaque fois pour pas que Ouais. d'une image sur l'autre on ait la même On est le texture aux même mêmes la même emplacements. texture et tout, ouais, c'est clair. Et ça fait un petit peu illusion, tu vois. Il te faut 4 jours avant de retomber sur le même. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, honnêtement, les gens vont pas aller chercher la petite bête Oui. Oui, sur ça. Et par contre, oui. c'est vrai que c'est que des techniques pour gagner du temps derrière. Bah exactement. Ça, c'est important. Bah voilà, assez rapidement, on a notre. Edwin qui nous disait, ça, c'est le talent et beaucoup de pratique. Ouais, beaucoup de pratique, ouais. Et puis, du coup, bah, on va faire. Je m'étais fait un petit mock-up. En fait, j'étais parti d'une photo. Et puis je me suis fabriqué mon mock-up en conservant juste les petites allumettes, là. Ça, c'est une photo qui vient de la banque Pexels, pour ceux qui connaissent. C'est pas mal de ressources que des photographes mettent à disposition D'accord, c'est un peu comme d'artistes. Unsplash, Ouais, en fait, c'est du libre d'utilisation, libre de tout. droit. Ouais, bah il y a des choses sympas. Et pour le coup, on n'est pas dans les trucs vraiment clichés banque d'images où t'as le type qui va tendre son dossier avec un grand sourire. Là, c'est des choses un peu plus du monde réel, on va dire. Donc Ouais. c'est intéressant. Hop. Dans ce cas-là, je vais faire là. Je vous mets le lien parce que ça peut toujours servir. Mais je rappelle aussi, si vous avez besoin, sur Adobe Stock, il y a toute une collection gratuite. C'est-à-dire que vous pouvez aller chercher des photos, pareil, qui ont été commissionnées par des photographes, enfin, par Adobe. Pour Adobe, pardon, par des photographes. Et vous allez avoir de la photo, de l'illus, des vidéos, vous avez même des vidéos dedans. Que vous pouvez récupérer. Il y a toute une collection gratuite, donc allez jeter un œil. Je vous mets le lien. Hop. Alors évidemment, vous n'aurez jamais tout ce que vous voulez dans la partie gratuite, mais ça fait déjà pas mal le taf. Ouais, je pense qu'il y a de quoi faire déjà. Ouais, largement. Bah voilà, on Niki nous invite demande les si les petits textes potes. restent éditables si on veut modifier quelques mots. En faisant la dégradation, comme je viens de Ouais, faire en là? faisant la dégradation, bah non, du Non. coup. Parce Non, que parce que t'es du coup, vraiment on passe sur la. sur un. Ouais, on passe sur un masque de fusion, en fait. Donc là, ouais, plus de retour en arrière. Mais bon, en même temps, ça prend quelques secondes. Hein. Vous avez Ouais, vu, hein, de faire l'idée le ce petit sera vraiment effet. de retenir en fait enfin de conserver l'étape importante. Après, pour tout te dire, moi, je me suis même fait un petit script, tu vois. C'est pas beaucoup d'étapes, hein, mais je me l'étais fait pour Inktober, parce que j'avais ce petit effet tous les jours à appliquer. Tous les jours, ça fait 4-5 étapes que tu fais, que Ouais. tu copies-colles et tout. En fait, ça prend quoi? Peut-être 1 minute. Mais si tu peux le faire en 2 secondes. C'est ça. On va s'en priver, Ou quoi. Ce laisser serait dommage. l'ordinateur bosser à ta place. Bah, c'est ça. Ben non, mais ouais, c'est vrai que ça peut faire un peu peur, les scripts, quand on démarre un peu sur les logiciels, et puis finalement, c'est un gain de temps incroyable, quoi. Ah, carrément. Carrément, carrément, moi je le vois. Ce que tu nous montres sur la partie vintage, justement, on a aussi évoqué ça avec les True Grit, qui sont des séries de Oui. pinceaux et de textures, Ouais, où j'en il y a aussi une ai. paire de scripts dessus. Ouais. Alors, j'ai pas chopé les scripts, mais j'ai pas mal de textures qu'ils proposent. C'est vrai que c'est vraiment super ce qu'ils ont. Je demande à avoir des matières.
C'est celles-ci, là. Celles-ci, elles sont géniales. Franchement, c'est pas très cher et ça vaut vraiment le coup parce qu'on a vraiment la qualité est assez incroyable et on se rapproche vraiment de quelque chose de réel. Et dis donc, on serait pas en train d'arriver au bout de notre Ouais, c'est temps? exactement ce que je voyais. Bah écoute, ça tombe bien parce que j'ai montré la majorité des choses que je voulais montrer. Bon, tu vois, après, une fois qu'on a ça, on peut s'amuser à faire plein de choses. J'ai fait un petit timbre, par exemple. Une fois qu'on a une base de petits éléments, en fait, on s'amuse, on réutilise. Ouais, c'est fou. Franchement, c'est vraiment classe parce que ça va, enfin, sur une heure et quart, je pense, un peu moins une heure, t'as réussi à faire toute ta déclinaison, toute ta recherche. Alors, on est bien d'accord et conscient hein, que là, c'est un premier jet, c'est un premier essai, tu reviens dessus quand t'as besoin. Ouais. C'est ce que tu nous disais pour telle recherche. Ah bah là, je pourrais encore y passer toute l'après-midi juste pour les espacements, etc. Ouais, Mais après c'est en du tout cas, ouais, calage. très rapidement, t'as un truc qui est même assez vite présentable. Quand t'es dans un cas client, justement, est-ce que tu montres ces étapes sur lesquels tu as pu aller relativement vite en termes de travail, ou est-ce que tu es du genre à peaufiner jusqu'au bout, quitte à te prendre dans les dents un truc sur lequel tu as passé trop de temps? Franchement, ça dépend la plupart du temps. Alors, pas forcément pour les identités, mais je sais que pour l'illustration, j'ai toujours une phase de crayonné. Alors, attends, je peux peut-être montrer le crayonné de l'affiche là, que j'avais faite, par exemple, qui est assez représentatif de ce que j'ai l'habitude de faire. Tac. Hop, tu vois, c'est ce genre de choses. Après, c'est vrai que pour les logos, en général, je travaille peut-être une version de base et puis peut-être deux petites déclinaisons. D'accord, ouais. Par exemple, je vais présenter ça, tu vois, sur des pistes de logo. Et puis, attends, je peux peut-être même tout simplement montrer un exemple de presse de logo. Ça peut donner des idées. Mais je vais pas, effectivement, je vais pas aller. Tu Je vais peux. faire mes versions assez clean Suffisamment clean pour être montrable, Ouais, mais derrière te exactement. laisser quand même un peu de marge. C'est ça. Si c'est sélectionné, parce qu'en général, je propose deux, voire trois pistes. Après. Il y a un paquet de pistes quand même. Ouais, ça dépend des projets. Ah, Tu super. vois, typiquement. Non, c'est pas ça. Ça peut être plutôt ça. Ouais, par exemple, tu vois, présentation de piste, première piste, quelques petites déclinaisons de logo, élément principal, juste la typo, choses comme ça. Histoire de le mettre en situation et que le client Exactement. ressente le projet. Ouais, ça Ouais. de toute façon, c'est important, hein, que ton client adhère au projet et se dise oui, c'est cool. Ben ouais, en fait nous on est capable de se projeter relativement facilement, je pense, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, typiquement ça prend quelques minutes et en fait tout de suite ça donne un peu plus de vie, Et ça puis je donne un peu pense que plus de du vie aux coup, tu choses. dois aussi avoir le deuxième effet qui se coule, qui est le client sent qu'il a été chouchouté, qu'il en a un peu eu Ouais. pour son argent. Ah oui, franchement, c'est pas long hein, de soigner une présentation. Là, tu vois, c'est vraiment très simple. Hein. J'ai quelques phrases, mais en fait, c'est propre et ça permet au client de se projeter. Nice. Bah écoute. Merci, merci beaucoup pour ça, parce que c'est vraiment chouette. On a vraiment parcouru tellement d'étapes. Delphine nous dit le pro au service de l'art, bravo, bravo, c'est bluffant, nous dit Béa. C'est une super session en une heure en plus pour Seisun. Stylé, trop d'efficacité, une vraie masterclass, etc., etc. Vivienne nous demandait où trouvait-on les textures. Je vous ai mis les liens. Il y a les liens sur Adobe Stock, faut aller chercher. Si le dernier jeu de textures, là, les quatre que tu présentais, elles venaient d'un truc particulier? Tu sais, t'avais quatre un Ouais, nuancier. c'était C'était TrueGrit. TrueGrid? Ok, je vais vous mettre le Ouais. lien de TrueGrid. Ouais. Et comme il est déjà 36 et que je dois accueillir l'ami Kyle Webster,
Je vais mettre un terme à notre session doucement. Rassurez-vous, je vous ai Ouais, gêné ou bah. pas, ni vous, ni Nicolas. Juste donc rappel, à 16h, je suis avec Kyle. Il est avec nous sur le là-bas, tout au bout, pour une session. Fresco, pardon, sur la plage, dessin de plage, parce que c'est la bonne saison pour ça. C'est vrai. Vous retrouverez Lulu la Nantaise demain 14h et moi vendredi à 14h pour du caractère animator. Et tout ce que vous venez de voir est disponible à la même adresse en replay. Vous pourrez retrouver les liens que je vous ai partagés au fur et à mesure directement dans le chat et dans le Discord. Comme je suis gentil, je vous remets le lien du Discord avant de partir pour ceux qui arriveraient que à la fin. C'est vraiment pour vous faire gagner quelques secondes. Niki nous dit qu'elle a poussé avec un C parce qu'elle met des pouces, elle met des likes, etc. Vous êtes tous les bienvenus pour faire ça, pour partager aussi tous ceux qui veulent profiter de la puissance des réseaux sociaux. Et je voulais encore te remercier, Nicolas, parce que c'était très beau, très propre et très bien mené. Merci Oui, à bah toi. merci. Merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce petit live. N'hésitez pas, si vous avez éventuellement fait une petite identité aussi, à me l'envoyer sur les réseaux sociaux ou à m'envoyer un petit message. Ce sera avec plaisir de voir votre vision Ah, carrément. Ouais, et dans ce cas-là, de la Grand Hôtel. si vous taguez Nicolas, taguez moi aussi. Ouais. Ce sera une bonne chose. Allez, le dernier petit lien, et puis on se retrouve dans 20 minutes avec Kyle. Bye bye, au revoir tout le monde. Salut!